Donc, comme je disais, moi je suis Victoria, je suis chargée d'accompagnement chez We Do Good. We Do Good, on est un acteur du financement participatif du crowdfunding parmi ceux qu'on va pouvoir évoquer aujourd'hui avec une spécificité qui est le mode de financement, puisque le mode de financement qu'on propose est basé sur les royalties ou le revenue-based finance, qui est un des modes de financement qui se développe beaucoup en France ou dans les pays anglophones actuellement, donc vous entendrez sûrement parler. On fait pas mal de webinaires de ce type, toujours gratuits, donc il y a d'autres thématiques si jamais ça vous intéresse. Vous recevrez les informations par mail après celui-ci. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les replays ou pour y assister. On a notamment un webinaire sur la thématique plus large du financement de l'amorçage. Ou une thématique aussi plutôt pour les entrepreneuses au féminin, en gros, qui vous permet de découvrir un peu plus les réseaux ou les pistes lorsqu'on est entrepreneuse, parce qu'on sait que c'est plus difficile déjà d'accéder à un financement et aussi à des montants. Aussi important que des homologues masculins. Donc voilà, il y a différentes thématiques que vous pourrez découvrir en plus de celui-ci qui, du coup, dont l'objectif est de vous apporter un regard large sur le monde du financement participatif, ce qui existe, les différentes plateformes, les différentes possibilités dans l'optique d'identifier à la fois si c'est pertinent pour votre projet et surtout si c'est le cas, à quel moment, de manière à bien anticiper les choses. Du coup, on va pouvoir démarrer dans le vif du sujet. Déjà, le financement participatif, le crowdfunding, on va le voir, donc il en existe plusieurs types. Pour le définir, c'est surtout en fait un financement auquel que vous allez mobiliser un peu hors du cadre institutionnel. Ça passe par le fait de mobiliser des particuliers ou des entreprises, mais hors des cadres institutionnels, plutôt en général via une plateforme en fait qui vous sert d'outil pour mobiliser des contributeurs de tout type. Et le financement participatif, le crowdfunding, c'est pas si nouveau parce que derrière, on va le voir, il y a des modes de financement qui sont assez classiques, comme le don, le prêt, l'investissement. En fait, c'est le fait de passer par Internet qui le rend innovant parce que vous avez la possibilité d'aller toucher un nombre de contributeurs plus important. Néanmoins, nombre de contributeurs plus important et des possibilités élargies, il faut quand même s'avertir sur le fait que, alors on parle d'appel à la foule, hein, c'est un peu la traduction littérale, mais finalement cette foule elle n'existe pas vraiment, c'est-à-dire que sur ces plateformes il n'y a pas une foule de personnes qui attendent pour financer des projets. Finalement, ce qui fait qu'on va participer si on se place du coup dans la peau d'un contributeur de l'autre côté. Si on décide de participer, si je contribue à un projet, ça va être soit parce que quelqu'un m'en a parlé en fait autour de moi. En fait, j'ai envie de soutenir cette personne en particulier. Et du coup, il y a une dimension plus personnelle et affective qui rentre en jeu. Ou c'est soit parce que ça marche déjà bien, en fait, ça fait un peu le buzz sur les médias ou les réseaux sociaux. En tout cas, c'est venu à nous, on en a entendu parler et l'engouement nous a donné confiance et envie. Et du coup, c'est vraiment la clé à comprendre ici, c'est de se dire, il y a une dynamique à mettre en place pour que ça marche. Et ça passe par le fait de commencer par les gens qui nous font déjà confiance, les proches, ceux qui se poseront finalement pas la question pour nous soutenir, et puis d'élargir au fur et à mesure. Parce que ceux qui ne nous connaissent pas suivront parce que d'autres l'ont déjà fait. Typiquement, l'exemple qu'on donne souvent et qui permet de bien se projeter,
si vous avez dans votre rue ou votre quartier de nouveaux restaurants. Il y en a un dont la terrasse est vide et un dont la terrasse est déjà un petit peu remplie. Bah, avant même de regarder le menu, en fait, on a déjà envie de se retourner vers là où il y a déjà un peu de monde. On va se dire, bah, si en face il y a personne, c'est parce que vous êtes mal reçu ou c'est pas bon ou il y a un problème. Et du coup, on a un niveau de confiance qui est réduit. Et c'est plus difficile d'aller chercher du coup des personnes qu'on ne connaît pas. Donc c'est la même dynamique en fait sur une campagne de financement participatif. Il faut, on va dire, c'est un peu l'effet boule de neige, il faut faire en sorte que le succès appelle le succès. Pour vous donner une petite idée plutôt des chiffres en fait sur le marché. Là, c'est les montants de 2021. Bah, en fait, ça vient nuancer un petit peu les a priori qu'on peut avoir quand on se dit quand on monte une entreprise, il faut tout de suite aller voir des business angels, par exemple. Mais finalement, on se rend compte que, en termes de chiffres, le financement participatif, bah, ça concerne quand même un nombre de projets qui est de plus en plus important. Et ce sont des chiffres qui continue de croître chaque année. Là, depuis 2015 à 2021, c'est des montants qui ont les montants levés ont été multipliés par 11. Donc, c'est une croissance assez fulgurante. Et ça veut aussi dire, du coup, en termes de nombre de projets plus importants et du coup, une diversité des projets aussi plus importante. Donc, finalement, maintenant, ça devient presque une étape pour une grande partie des entreprises qui se lancent que de passer par le financement participatif. Du coup, c'est bien de participer à ce type de formation et de voir pour vous, bah, est-ce que ça peut correspondre et puis à quel moment. Et puis quel type de financement participatif. Et puis ce que vous allez y chercher, parce que forcément, ça a plusieurs avantages. Souvent, quand les porteurs de projets viennent nous voir, c'est en priorité parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais quand on fait le bilan des campagnes avec eux, ben on voit que le financement participatif, ça va au-delà du financement. Et d'ailleurs, on risque presque d'être un peu déçu si on le fait uniquement pour l'argent. Parce que ça demande pas mal d'énergie, de temps. Donc, si on se lance dans ce type de démarche, il faut aussi garder en tête que c'est un bon moyen de communiquer. En fait, c'est une vraie campagne de communication. Et du coup, notamment quand on est au début de son projet, ça peut être une étape en soi dans sa communication pour se faire connaître. Et puis, c'est aussi un super moyen d'engagement. En fait, ça permet de fédérer une communauté parce que, bah, on voit bien sur ce type de plateforme, les personnes que vous allez solliciter deviennent en quelque sorte vos ambassadeurs. Il y a même des marques qui les ont utilisées à plusieurs reprises, des marques implantées qui auraient pu, bah, par exemple, le slip français, qui à plusieurs reprises, alors ça date un peu, mais à plusieurs reprises, est passé par le financement participatif pour prévendre des nouvelles collections plutôt que le faire sur leur propre site de e-commerce parce qu'ils voyaient bien que les contributeurs c'était plus des clients mais des early adopters, en gros des ambassadeurs de la marque, et ça, avoir une communauté engagée autour de votre projet, de votre marque ou entreprise, bah, c'est quand même une vraie valeur ajoutée, quelque chose qui peut faire bah, la différence pour le développement de ce projet au-delà même du potentiel financement. Donc, si vous vous lancez dans le financement participatif, préparez-vous bien pour ces trois dimensions parce que c'est ça qui va faire que bah, votre campagne, l'énergie impliquée aura une valeur, vous apportera bah, pour la suite du projet et dans la durée. Alors, bien sûr, s'il y a des avantages en face, il y a des contraintes. La première, c'est que pour obtenir un financement, il faut toujours être en mesure de fournir une contrepartie, quelque chose en échange. En fait, même dans le don sans contrepartie,
y a une certaine contrepartie, il y a quelque chose parce qu'on ne donne jamais de l'argent en échange d'absolument rien. Par exemple, si je donne de l'argent à une association, c'est parce qu'en retour, je me sens bien, j'ai le sentiment d'avoir soutenu une bonne cause. Et du coup, c'est de l'ordre de contrepartie émotionnelle finalement. Après, les contreparties les plus connues en financement participatif, ça va être des contreparties matérielles, des produits. C'est ce qu'on voit sur des plateformes comme KissKissBankBank ou Ulule, qu'on va avoir l'occasion de revoir juste après. Mais en fait, aujourd'hui, en financement participatif, ben, les contreparties, elles peuvent être très variées. Ça va de la contrepartie émotionnelle, fiscale, financière. Et du coup, il y a déjà un premier enjeu ici pour vous qui est de déterminer bah, quelle est la nature de contrepartie, quelle est la contrepartie qui est cohérente par rapport à ma maturité et la nature de mon projet. Typiquement, un projet à impact et ou à fort intérêt général va déjà miser sur cet aspect de contrepartie émotionnelle. Un projet plutôt B2C qui va avoir un produit va pouvoir va proposer ce produit en tant que contrepartie. Donc, on est sur la contrepartie matérielle. Un projet avec un statut particulier, plutôt réservé à association ou selon différents types de financement, peut proposer une réduction d'impôts, donc une contrepartie fiscale. Un projet à potentiel économique va proposer, pourquoi pas, une contrepartie financière avec un rendement ou un taux d'intérêt. Donc voilà, il y a quand même plus, pas mal de possibilités. Et d'ailleurs, pour votre seul et même projet, ben, vous pouvez en fait avoir plusieurs types de contreparties dans la mesure où, par exemple, un projet qui va avoir de l'impact, mais aussi un développement économique, ben, va pouvoir à la fois jouer sur la partie émotionnelle et financière. Et ça a l'intérêt d'augmenter aussi le ticket potentiel de contribution. Mais pareil, on rentrera dans le concret du sujet juste après. Sur les autres contraintes, pour communiquer sur son projet, en fait, il faut en avoir ben, un petit peu de. Il faut avoir les compétences, un petit peu de ressources et de temps. Il faut compter pour ce type d'opération environ 3 mois. Je vous rassure, ce n'est pas 3 mois à temps plein. Mais 3 mois pendant lesquels il faut tout de même être actif, en fait, pour activer les différentes personnes, pouvoir aussi avoir une certaine réactivité. En fait, comme on le disait, il y a un enjeu de confiance, étant donné que c'est une contribution financière, donc il faut donner confiance. Et pour ça, bah, ça passe par le fait d'y passer un peu de temps parce que il faut animer la campagne, répondre aux questions des personnes s'il y en a pour bah, justement leur donner confiance. Et puis aussi pour travailler un petit peu cette communication. Il faut que tout soit nickel parce que, bah, par exemple, c'est tout bête, mais une coquille dans un mail ou voilà, des petites erreurs éparpillées bah, font que le niveau de confiance diminue. Donc, c'est vrai pour tout type de campagne de communication, mais là encore plus, étant donné qu'il y a une contribution financière à la clé. Donc, pour bien transformer, eh bien, il faut que ce soit travaillé et donc ça demande d'y passer un peu de temps et d'avoir certaines ressources ou compétences disponibles. Et puis, bah, pour fédérer une communauté, il faut en fait proposer c'est du marketing à la bonne cible, les bonnes contreparties. Donc, les bonnes contreparties, on l'évoquait juste avant. La bonne cible, ici, il faut en fait identifier en amont une cible qui aura un peu de la valeur ajoutée dans la durée pour le projet. Ça peut être en fait des clients potentiels, mais ça peut aussi être pourquoi pas des mentors, une communauté d'utilisateurs engagés, des partenaires en B2B. En tout cas, il faut bien identifier en amont bah, qui vous allez cibler parce que c'est ça qui vous permet d'établir la stratégie de mobilisation qui sera adaptée. Un autre point clé ici qui vous servira d'argument, c'est l'impact. En fait, c'est vrai pour tout type de financement, mais notamment financement participatif, c'est un des facteurs qui fait passer les contributeurs à l'action. Et ça parle à
tout le monde désormais, hein, vous le verrez, donc les particuliers, que vous allez pouvoir aussi bien financement participatif, mais par le futur aussi des partenaires ou des business angels, et même VC. Il y a un enjeu ici qui est au moins de rendre visible son impact. Typiquement, et c'est un bon exemple, en fait, le pitch deck de HelloFresh, qui est une entreprise de livraison de nourriture. Et donc, il n'est pas une entreprise à impact par nature, qui n'a pas vocation à être une entreprise à un impact parce que c'est pas le cœur de son activité. Et bah, pourtant, leur pitch deck comprend déjà plus de 20 pages uniquement sur leur impact environnemental, qui du coup évoque bah, justement en fait la mesure de cet impact et puis pourquoi pas la vocation à s'améliorer aussi, les projections en termes d'impact. Et c'est un vrai argument ici. En tout cas, il faut montrer que c'est quelque chose que vous avez en tête, que vous mesurez et qui ça devient presque en fait une unité de mesure à même titre que l'aspect financier de votre projet. L'impact va pouvoir être une unité de mesure et aussi un des arguments qui fait passer à l'action. Pour vous répondre à Anaïs, un deck, en fait, c'est plutôt le pitch deck ici, finalement, ce qui est une forme de présentation. Quand on parle de présentation, vous pouvez avoir un business plan à la fois financier et non financier. Et beaucoup d'entreprises maintenant pour un pitch deck qui prend la forme plutôt style PowerPoint, par exemple. Donc, c'est un outil de présentation que vous allez justement transmettre à des acteurs financiers, par exemple à une banque ou un acteur financier que vous solliciteriez. Alors maintenant, qu'est-ce qui existe dans les familles de financement participatif? On le met au pluriel ici parce qu'en France, en fait, il y a trois grandes familles de financement participatif ou crowdfunding. Tout ça, ce sont bien du crowdfunding. Il n'y a pas uniquement le don. Il y a aussi donc l'investissement ou crowd investing, le prêt, crowd lending. On peut tout traduire. Et du coup, pour rentrer un peu plus dans le détail, sur le don, eh bien, vous allez avoir le don sans récompense ou sans contrepartie. Comme on l'a précisé juste avant, il y a tout de même dans ces cas-là une contrepartie qui peut être de l'ordre émotionnel ou fiscal, par exemple. Par exemple, pour des associations qui vont émettre des reçus fiscaux. Mais du coup, ici, ça reste très adapté projet associatif, projet d'intérêt général. Ensuite, il y a le don avec récompense, avec contrepartie, pré-vente, pré-commande. Tout ça, c'est dans la même catégorie. C'est aussi le mode de financement le plus connu parce qu'en fait, ce sont des plateformes qui visent le grand public et donc pour lesquelles on peut être ciblé en fait nous-mêmes au quotidien. Donc là, surtout une contrepartie matérielle, on est principalement avec des projets B2C, donc directement adaptés aux consommateurs qui ont des produits ou quelque chose adapté à proposer dans une logique de contrepartie, voire de prévente. Ensuite, il y a l'investissement. Côté investissement, donc il y a l'investissement en capital ou crowd equity. Là, en échange du financement, vous cédez des parts de capital, en fait des actions, à vos investisseurs. Et du coup, pour eux, c'est un pari sur une prise de valeur de ces parts, donc prise de valeur de l'entreprise et donc de chacune des parts. Il y a aussi l'investissement en royalties ou revenue-based finance crowdfunding. Donc là, c'est ce que nous, on propose chez WeDoGood en l'occurrence. Ici, vous ne cédez pas de part du capital. On est sur un mode de financement qu'on dit non dilutif. Vous cédez plutôt un
pourcentage de votre chiffre d'affaires futur pendant une durée déterminée. Donc, dans la logique, c'est un financement qui peut se rapprocher du prêt parce qu'il y a des versements financiers réguliers pendant une durée déterminée. Mais la différence par rapport à un prêt, c'est que le montant des versements va entièrement dépendre du niveau de chiffre d'affaires réalisé, donc de l'activité. Et c'est du coup aussi pour ça que c'est dans la catégorie investissement parce que y a un partage de la valeur, mais aussi des risques avec vos investisseurs. Et puis il y a aussi le prêt, on ne va pas l'aborder en détail ici parce que c'est pas vraiment accessible en amorçage. En fait, pour la plupart des plateformes, il faut avoir au moins 3 ans de bilan positif, en fait être une PME bien établie. C'est plus strict en termes de critères parce que c'est aussi du coup moins risqué pour un prêteur dans la logique du prêt. Donc intéressant pour vous à garder en tête, mais pour une étape ultérieure en fait d'un projet. N'hésitez pas bien sûr à continuer si vous avez des questions à les poser au fur et à mesure. Donc on va maintenant rentrer dans le détail de chacun des types de financement. Ici, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans le chat si vous êtes une association, parce que côté dons sans contrepartie, on est plutôt réservé aux associations. D'ailleurs, les plateformes comme HelloAsso sont très adaptées. Ici, HelloAsso, c'est intéressant parce que pour les associations, parce que déjà, ça permet de gérer au-delà du financement d'autres activités de l'association. Et puis, c'est gratuit. C'est un modèle économique basé sur les pourboires des contributeurs. Donc, intéressant pour les associations. Côté entreprise, il vaut mieux si vous voulez récolter, par exemple, juste des dons. Des dons de proches par exemple, donc de manière très ciblée et très rapprochée, il faut mieux pas essayer de passer par du financement participatif, mais plutôt par une plateforme de cagnotte type Litchi, Lydia ou autre que d'essayer de faire du financement participatif sans contrepartie. Côté entreprise, plutôt des plateformes de cagnotte. Ou du coup, si vous souhaitez avoir des contreparties, donc il y a le don avec contrepartie, toujours dans la catégorie don. Hein. Là, les chiffres que vous voyez apparaître sont ceux du baromètre du financement participatif 2021 aussi, qui a réalisé Financement Participatif France. Donc c'est une association, l'association professionnelle du secteur, qui va consolider en fait les données de pas mal de plateformes qui transmettent leurs informations dans ce baromètre. Donc c'est assez représentatif. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le site de Financement Participatif France, FPF, pour identifier aussi des ressources parce que il y a pas mal d'informations sur la plateforme et notamment ce baromètre qui développe tous les chiffres qu'on voit ici. Du coup, dans le don avec contrepartie ou avec récompense, comme on disait, bah, plutôt le plus connu, on est ici sur une contrepartie plutôt matérielle. En fait, pour des petits montants de contribution, jusqu'à environ 15 euros, vous pouvez rester sur une contrepartie qui soit émotionnelle, quelque chose de très symbolique. Jusqu'à 15 euros, on va dire qu'on est en mesure de soutenir un projet qui nous tient à cœur. Dès qu'on dépasse les 15 euros, il faut avoir quelque chose à proposer en échange. On va vous recommander plutôt d'éviter, quand on n'a pas de produit, par exemple, d'éviter d'aller chercher des goodies, des tote bags ou mugs ou autres. Par exemple, quand on est un projet en B2B, ce sera pas très pertinent parce que ça va être difficile d'aller viser une cible en particulier. Et donc, voilà, d'avoir une communication, une stratégie de mobilisation intéressante. Là où ça va vraiment être pertinent, ben c'est si vous avez des produits ou de l'événementiel, en fait de l'expérientiel à proposer, des vêtements, des magazines ou un événement ou un média. Ben l'idéal, c'est même d'ailleurs de le prévendre.
Parce qu'en fait, sur ce type de plateforme, là, on vous affiche les plus connus, Kickstarter, Kiss Banque, Ulule. Il y en a d'autres hein, vers lesquels j'aurai aussi l'occasion de vous rediriger. Eh bien, vous avez deux façons donc, de mener ce type de campagne. La plus classique, c'était d'afficher un montant à atteindre et déterminer plusieurs niveaux de contrepartie, qui peuvent du coup être très variés, aller de la contrepartie plus symbolique ou émotionnelle à beaucoup plus importante pour d'autres. De dire par exemple, je veux lever 7 000 euros, qui est à peu près la moyenne. 7 000 euros, pour y arriver, vous pouvez contribuer à hauteur de 15 euros et vous aurez quelque chose de symbolique, voilà, un grand merci ou votre nom affiché sur le pourboire sur le mur des contributeurs. À hauteur de 50 euros et vous aurez cette contrepartie, donc voilà mon produit dans cette édition-là, à hauteur de 100 euros et vous aurez le produit en édition limitée, et à hauteur de 1 000 euros et vous serez un contributeur VIP et vous viendrez visiter l'usine de production. Donc voilà, on peut avoir des niveaux de contrepartie très variés et à des montants aussi de contribution variés. Et il y a un autre affichage qui est plus récent, mais ça tend à pas mal se développer. Ce n'est pas d'afficher un montant à atteindre, mais plutôt un nombre de préventes ou précommandes à atteindre comme objectif. Typiquement, je souhaite vendre 100 préventes à 70 euros. Du coup, là, vous vous concentrez plutôt sur un pack ou un produit, quelque chose de plutôt particulier. Voilà, il y a moins de contreparties, c'est moins nombreux. C'est plus focus sur un produit en particulier qui va viser presque les potentiels clients directement. Donc c'est une opération de vente, quasiment de marketing, qui est intéressante ici à afficher et qui d'ailleurs, lorsque c'est bien préparé, a un impact sur les montants levés. En général, vous allez chercher un peu plus sur la prévente que sur juste en affichant un montant à atteindre. Ici, le chiffre à vraiment retenir, c'est les 70 euros. En fait, ça veut dire, c'est la moyenne des contributions, donc ça veut dire que c'est le montant que les contributeurs sont prêts à dépenser sur ce type de plateforme. Et du coup, on conseille de faire en sorte, quand on fixe ces différents niveaux de contrepartie et ces prix, que celle que vous souhaitez mettre en valeur soit dans ces horizons de tarifs. Et puis, il faut aussi garder en tête que si ça fonctionne, si ça marche, ça veut dire que vous êtes engagé à expédier, à livrer ou à fournir les choses qui ont été commandées. Et donc, tout ça, c'est un coût. Il faut bien anticiper votre capacité à ensuite pouvoir livrer les précommandes. Donc je répondrai à vos questions plus particulièrement sur chacun des types de financement dans le chat juste après. Donc voilà, ici on était dans le don avec contrepartie. Si on passe du coup catégorie investissement, comme on l'a vu, il y a les royalties. Donc là, c'est un financement en échange d'un pourcentage de votre chiffre d'affaires futur qui va être cédé tous les trimestres. En l'occurrence, là, ça fonctionne tous les trimestres pendant une durée déterminée. Par défaut, là, on est habituellement sur des contrats de 5 ans. Donc, ça répond déjà à une première partie de votre question. Bobby, on est par défaut sur des contrats habituellement d'environ 3 à 5 ans, avec des remboursements trimestriels. Donc c'est un pourcentage. Votre engagement de remboursement porte sur un pourcentage du chiffre d'affaires qui vous permet de rembourser de façon complètement flexible chaque trimestre selon le chiffre d'affaires qui a été réalisé les 3 derniers mois. Donc c'est un pourcentage, c'est le pourcentage que vous allez céder trimestriellement. Il est défini en amont de la levée de fonds et au cas par cas. Vraiment, c'est-à-dire qu'on regarde le chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise et l'objectif, le montant visé pour la levée de fonds. Et du coup, on calcule un pourcentage qu'il faudrait proposer.
de manière à ce que si tout se passe comme prévu, comme indiqué dans votre prévisionnel, eh bien les investisseurs récupèrent leur investissement avec une plus-value au bout des 5 ans. Donc, ce qu'on voit avec le petit graphique sur la droite ici, c'est que alors, les premières années, si vous êtes en développement, bah, ils reçoivent assez peu. Et à mesure que votre chiffre d'affaires augmente, bien, le même pourcentage qui reste fixe pendant 5 ans, eh bien, vous permet de rembourser en fait, progressivement selon la croissance de l'activité. Donc, ils sont intéressés à votre niveau d'activité et sont rémunérés plus ou moins bah, selon finalement le chiffre d'affaires que vous réalisez vraiment. Sachant qu'on fixe des caps. En fait, on se base du coup sur votre prévisionnel pour déterminer le pourcentage à céder. Et ensuite, on fixe quand même des caps sur les 5 ans en se disant que bah, si vous faites moins de chiffre d'affaires que prévu, bah, en 5 ans, avec le même pourcentage sur un chiffre d'affaires amoindri, ils récupéreront moins que prévu. Du coup, on peut allonger le contrat s'ils n'ont pas récupéré au moins leur investissement initial. Ce sera le minimum. Ça permet de sécuriser aussi vos investisseurs. On va viser en termes d'objectifs plutôt qu'ils récupèrent au bout des 5 ans deux fois ce qu'ils avaient investi, idéalement, et ça paraît, on le valide au cas par cas. Et au maximum, si vous réalisez plus de chiffre d'affaires que prévu, si tout vous fonctionne bien, bah, tant mieux, tout le monde sera rémunéré aussi dans cette idée-là, mais avec un cap maximum à x3 de remboursement pour un contributeur. Il peut récupérer au maximum 3 fois ce qu'il avait investi. Donc ça, on le calcule vraiment au cas par cas. D'ailleurs, on a un petit test dédié qui permet bah, de calculer le potentiel pourcentage qui vous conviendrait, que je vous mets tout de suite dans le chat. Donc le pourcentage est bien adapté au cas par cas, il reste fixe pendant les 5 ans, mais on le fixe en amont nous-mêmes avec vous. Ici, du coup, on est dans une logique différente puisque il y a une contrepartie qui est financière. Donc, vous allez aussi pouvoir mobiliser des personnes qui sont au-delà finalement de communautés ou de clients potentiels, puisque n'importe qui peut se dire que c'est un placement intéressant. C'est aussi pour ça que c'est aussi adapté notamment bah, pour des projets B2B, pourquoi pas, pas uniquement B2C. C'est à peu près d'ailleurs la moitié, moitié, moitié des projets avec qui on travaille qui sont moitié en B2B, donc direct, enfin, adaptés pour les entreprises. Les clients sont des entreprises et l'autre moitié en B2C, donc avec des clients particuliers. Et donc, c'est aussi pour ça que la moyenne des levées de fonds est un peu plus élevée. On a une moyenne d'un peu plus de 40 000 euros et qu'on peut aller chercher des levées potentielles un peu plus importantes. Avec un ticket moyen relatif qui va vraiment dépendre aussi du type de campagne. On voit des campagnes plutôt grand public, en fait, notamment B2C, plutôt grand public, dont le style va se rapprocher presque, de communication va se rapprocher d'une campagne de dons et contrepartie, où on va avoir du coup des tickets moyens de contribution par personne un peu plus faibles. Entre 150 et 200 euros, par exemple, de moyenne. Tandis qu'on va aussi avoir des campagnes plutôt B2B, avec une communication un peu plus ciblée, qui va vraiment viser bah, les personnes de son secteur d'activité, par exemple. Là, on va avoir un ticket d'investissement plus élevé. Typiquement, une entreprise, les moyennes de tickets sont plutôt autour de 5 000 euros. Donc voilà, adapté à tout secteur, une fois que la société est créée. Par contre, il faut déjà avoir une société immatriculée et avoir du chiffre d'affaires prévu au plus tard dans l'année qui suit, puisque bah, les remboursements arrivent, enfin les remboursements commencent dans l'année qui suit la levée de fonds. Il faut avoir du chiffre d'affaires prévu, soit être en phase de pré-commercialisation ou début de la commercialisation, ou pourquoi pas déjà avoir commencé à commercialiser depuis un moment. En termes géographiques,
Les plateformes, en fait, ça va dépendre de chacune des plateformes, mais la plupart vont exercer au niveau européen. Donc ça, il faut le voir avec chacune des plateformes. Mais là, en fait, il y a une législation qui se consolide de manière même européenne. Donc, géographiquement parlant, c'est sur l'aspect européen ou même au-delà pour certaines plateformes. Il y a assez peu de limites. Ça va vraiment dépendre aussi de la plateforme avec qui vous travaillez. Et du coup, pour finir sur les royalties, avant de passer au dernier type de financement, c'est effectivement considéré comme des fonds propres, les fonds levés, et donc qui vous permettent de faire effet de levier auprès de types de financement. Et enfin, du coup, côté capital, donc ici, comme je vous le disais avant, vous allez céder des actions. Vous allez partager le capital de votre entreprise avec des investisseurs, donc ce qui n'est pas le cas pour les deux autres solutions de financement qu'on évoquait juste avant. Là, vous allez partager le capital. Alors, on peut se demander pourquoi passer en fait par une plateforme de capital plutôt que par des business angels ou même des fonds d'investissement directement. En fait, ces plateformes, elles ont quand même plusieurs avantages. Notamment le fait qu'elles soient accessibles en général un peu plus tôt que des fonds d'investissement en direct, par exemple. Et puis, ça vous permet aussi de faciliter en fait administrativement la démarche, puisque en fait chacune de la plateforme construit une entité juridique pour gérer tous les investisseurs en même temps. Vous n'avez pas besoin de négocier avec chaque investisseur individuellement, ce qui vous permet de gagner du temps. Donc tous les investisseurs sont assemblés au sein d'une seule et même entité qui est créée spécifiquement pour l'opération et qui vous permet d'avoir bah, une seule entité à gérer au niveau du capital au lieu d'une multitude d'investisseurs. Donc c'est une facilité de gestion. Et puis c'est aussi quand même de la visibilité, hein, parce que bah, derrière les plateformes, là on vous a listé par exemple trois qui sont parmi les plus connues, idem, il y en a d'autres, hein, mais bah, il y a aussi des business angels, des fonds d'investissement qui les utilisent bah, pour identifier des projets de qualité. Et donc voilà, ça vous permet de gagner en visibilité et bah, de toucher ces acteurs-là plus facilement si votre projet est sélectionné par la plateforme. Donc c'est par cette capacité notamment à aller toucher des investisseurs assez qualifiés que bah, vous avez aussi une moyenne des levées de fonds qui est un peu plus élevée, autour de 390 000 euros. Par contre, on est ici plutôt orienté quand même pour des projets innovants ou en tout cas qui ont un potentiel important de croissance. Parce que pour les investisseurs, bah, c'est un pari de se dire j'achète des actions aujourd'hui qui vont prendre de la valeur que je vais pouvoir ensuite revendre avec une forte plus-value. C'est aussi pour ça que souvent, il faut avoir un peu plus avancé dans l'activité et notamment avoir validé certains indicateurs de performance. Bien savoir combien ça vous coûte, un coût de transformation d'un client, avoir fixé correctement vos prix, vos marges. En fait, c'est ce type d'indicateurs qui vont aussi permettre de convaincre les investisseurs assez qualifiés. Et si on compare du coup ces différents types de financement selon la maturité des projets financés, selon les montants collectés, on arrive à peu près à ce schéma. Ce sont que des moyennes hein, parce que comme on l'a évoqué, en fait, par exemple de la prévente ici, ben, on peut en faire à plusieurs reprises dans la vie de l'entreprise, à plusieurs moments. Mais c'est vrai que là où ça a vraiment un intérêt, où c'est super pertinent, c'est au début. Parce que ça vous permet de valider votre marché. Si vous prévendez, bah, de trouver vos premiers clients. C'est un bon moyen de tester sa communication. Si on a des produits, bah, même de préfinancer en fait leur production. Et du coup, d'avoir un POC, une preuve de concept. Et c'est ça qui vous permet bah, aussi de convaincre d'autres financeurs par la suite. Par exemple, c'est beaucoup plus simple d'aller voir la banque si vous avez déjà vendu sans prévente de votre produit.
Les royalties, donc il faut avoir une société créée. Ça peut servir plutôt à financer du démarrage, de l'amorçage ou pourquoi pas de l'accélération, puisque pareil, ça peut être en fait, comme on le disait, très pertinent à plusieurs étapes de la vie de l'entreprise. Pourquoi pas, même en continu finalement, se dire que dès qu'on identifie le potentiel de nouveaux contributeurs ou on a un nouveau projet, bah, pouvoir les solliciter à nouveau pour un investissement en royalties. Et le capital, c'est soit un petit peu plus tard, plutôt pour financer de l'accélération ou un changement d'échelle, par exemple. En termes de coûts, du coup, combien ça coûte de se lancer dans le financement participatif? Je rentre pas forcément dans le détail, mais en gros, pour bien comprendre le tableau, la première ligne, ce sont les frais avant la levée de fonds, au milieu pendant, enfin, au succès, et la dernière ligne après. Et globalement, la majorité des plateformes, peu importe le mode de financement, on a un modèle économique qui est basé ici. Sur la réussite de la levée de fonds, sur une commission du coup au moment de la réussite, au moment du succès de votre levée de fonds, qui est en moyenne entre 6 et 8% à peu près. Du coup, dans son récompense, ce qu'il ne faut pas oublier, bah, c'est le après, en tout cas les coûts d'expédition, les coûts de votre contrepartie, ou la TVA, quand on est soumis sur des préventes qui vont être soumises à la TVA, par exemple. Mais ça, les plateformes le gèrent assez bien avec vous. Mais du coup, il faut bien l'anticiper. Voilà, comptabiliser ces coûts-là quand vous fixez le niveau des contreparties. Ce qui se passe en général, c'est qu'après, ce type de campagne, il vous reste assez peu de fonds pour financer d'autres choses. Mais c'est assez normal et en fait c'est déjà une opération marketing, une preuve de concept qui s'autofinance. Et c'est déjà super parce que comme on disait, ça permet pourquoi pas de débloquer d'autres types de financement et de faire vos preuves et de tester votre marché. Côté royalties, on a des frais de dossier parce qu'il y a une étude de votre dossier effectuée en amont, une commission et puis des frais de gestion, on va dire, pour la suite du contrat qui sont parés sur un pourcentage. En capital, les frais de dossier aussi, 2000 euros, ça peut sembler élevé, mais en fait, il faut même se méfier des plateformes qui auraient des frais de dossier trop légers, parce qu'en fait, il y a une étude de votre dossier à ce moment-là qui est effectuée de façon sur toutes les dimensions de l'entreprise, très encadrée. Ça s'appelle une due diligence. Et du coup, c'est ce type d'analyse qui va notamment être regardée bah, par les investisseurs qualifiés. Et du coup, presque méfiez-vous voilà, des plateformes qui auraient des frais de dossier trop faibles parce que si ce travail n'est pas bien fait au démarrage, ça va être plus dur ensuite d'arriver au succès. Puis il y a une commission aussi, puisque ben, en fait, ça correspond à la gestion qui est faite des investisseurs. Avant de rentrer sur des exemples un peu plus précis qui permettront peut-être de vous projeter, on demande souvent si c'est possible selon vous ben, de réaliser plusieurs levées de fonds et sur des plateformes différentes. N'hésitez pas si ça vous questionne aussi dans le chat à répondre par oui ou par non. Parce qu'en fait, on l'a déjà évoqué un petit peu, hein, finalement, on a déjà un peu répondu, c'est que oui, c'est possible, et même sur une même plateforme, hein, sur des plateformes différentes à différents moments. C'est le cas des marques, par exemple, qui ont fait des campagnes de prévente à plusieurs reprises. Par contre, il faut s'alerter sur le fait que ce soit jamais au même moment. C'est-à-dire que ce serait trop compliqué en termes de dispersion, de gestion en interne.
Et puis, pas efficace non plus en termes de communication parce que c'est difficile d'aller faire passer à l'action une personne s'il y a plusieurs possibilités. Ça veut dire qu'elle doit faire un choix et déjà, vous risquez de perdre la personne à ce moment-là. Donc, sur des timings différents, bah, aucun souci. Et d'ailleurs, au contraire, on voit des exemples là qui l'ont fait avec succès. Notamment, c'est le cas de Twiza. Twiza, c'est une plateforme qui met en relation des personnes qui veulent organiser des chantiers participatifs et des personnes qui veulent y contribuer. Donc, en gros, c'est construire ensemble des maisons de manière écologique. Alors ici, c'est plutôt un bon contre-exemple parce que ça permet d'illustrer le cas où on fait de la contrepartie, ici sur Ulule en l'occurrence, sans proposer un produit à la base. Il faut alors avoir une contrepartie émotionnelle qui soit importante et suffisante pour une communauté visée. Du coup, dans le cas de Twiza, ce qu'ils ont fait, c'est en commençant sur Ulule, ils avaient pour objectif non pas forcément vraiment de lever des fonds, mais surtout de construire une communauté. En fait, c'est important, bah, en tant que plateforme de mise en relation, c'est important d'avoir une communauté d'utilisateurs qui vont vouloir participer à des chantiers participatifs. Et donc, eux, en l'occurrence, ils ont été voir des gens, les personnes pour qui leur projet allait vraiment avoir de la valeur. Des passionnés du bricolage, des membres d'associations liées à l'habitat écologique, à la construction alternative. Et c'est par cette communication très ciblée qu'ils ont pu dépasser leur objectif et même la moyenne nationale. Et puis 2 ans plus tard, bah, ils sont venus chez nous pour un financement en RBF, en royalties, parce qu'à ce moment-là, ils avaient bah, plutôt besoin d'un vrai financement pour investir dans leur outil technologique, pour être suffisamment performant, devenir scalable. Et ce qui a été assez intéressant à regarder, c'est qu'ils ont bah, notamment communiqué auprès de leur première communauté qui avait été mobilisée via Ulule, en leur disant bah, « Vous nous avez fait un don au tout début, donc depuis 2 ans, vous suivez nos avancées, vous avez peut-être participé à un chantier sur la plateforme. Eh bien, aujourd'hui, on vous propose d'être intéressé à la croissance économique du projet. » Et donc de toucher une partie du chiffre d'affaires. Et c'est un message qui est bien passé, hein. Ils ont eu un taux de transformation assez élevé en termes de communication. Donc ça, c'est assez précieux que d'avoir une communauté voilà, qui peut suivre dans la durée. Un autre cas intéressant aussi, c'est Naouden, projet complètement différent parce qu'ils sont dans le B2B industriel. Ils recyclent des déchets de bois pour les transformer en énergie. En l'occurrence, quand ils ont démarré avec nous sur We Do Good, ils avaient pour objectif d'avoir assez de fonds propres pour faire effet de levier, en fait, rassurer les financeurs comme la BPI, l'ADEME. C'est ce qu'ils ont fait en levant quasiment 90 000 euros. Et puis 2 ans plus tard, ils sont allés sur WeSeed, là, pour accélérer, en fait, donc en capital. Et là encore, ils ont mobilisé finalement la communauté qu'ils avaient suivie sur We Do Good en leur disant bah, « Vous nous avez suivis dès le début en prenant le risque avec nous. Depuis 2 ans, vous nous suivez, vous voyez que ça fonctionne, vous touchez un pourcentage de notre chiffre d'affaires. Eh bien, vous pouvez être encore plus impliqués en nous rejoignant sur WeSeed. » Et dernier cas, c'est La Tribu. Et eux, en l'occurrence, c'est une marque de produits d'épicerie, principalement du café, qui se veut participative sur tous les points, on va dire. En fait, ils font ce qu'on appelle presque du marketing participatif. Ils vont demander à leur communauté bah, quel prochain produit ils veulent avoir, quel packaging ils préfèrent. Et du coup, pour eux, c'était super cohérent et logique de passer par du financement participatif tout au long de la vie de leur entreprise. Du coup, ils ont commencé par prévendre leur première production sur Ulule, ce qui leur a permis bah, de s'assurer qu'il y avait de la demande avant de se lancer. Ils ont prévendu et ensuite,
Et ils ont eu, bah, pareil, besoin d'un financement un peu plus important pour lancer la deuxième production, pour bah, lancer des nouveaux produits, accélérer, répondre à la demande plus facilement. Et du coup, ils sont passés sur We Do Good pour aller chercher un peu plus de 120 000 euros. Pour synthétiser un peu tout ça, avant de répondre à d'autres éventuelles questions que vous auriez. Ce qu'il faut se dire, c'est que le crowdfunding, le financement participatif, c'est pas encore pour vous si jamais vous n'êtes pas prêt ou prête à communiquer sur votre projet, notamment à vos proches. Alors quand on dit proche, ça peut être assez large, hein, mais ça va être vos réseaux personnels ou professionnels. Il faut que ce soit juste cohérent avec votre stratégie. Mais en tout cas, prêt à communiquer, voilà, notamment auprès de votre communauté. Pour lancer la dynamique, on l'a vu, pour que ça appelle un peu le succès. Si je rebondis sur mon exemple du début des restaurants, bah, c'est avoir voilà, les premières personnes qui s'assoient à la terrasse de votre restaurant pour que les autres qui ne vous connaissent pas n'aient pas peur de rentrer. Et ça passe aussi par le fait d'incarner votre projet. En fait, plus on incarne et vous allez miser aussi sur vous, sur votre équipe, sur l'humain. Plus on voit qu'il y a un taux de transformation assez élevé, parce que les contributeurs, bah, finalement, ils sont séduits par l'humain, par vous, puisque bah, c'est bête, mais un même projet au démarrage porté par deux équipes différentes bah, peut avoir aussi un développement tout à fait différent. Donc, incarner le projet et en parler autour de soi. Ce n'est pas encore pour vous si vous n'êtes pas prêt à y consacrer un peu de temps. Comme on l'a vu, c'est 3 mois en moyenne pendant lesquels bah, il faut avoir un peu de disponibilité et pouvoir gérer la levée de fonds. 3 mois, ça comprend la phase de préparation que vous faites avec la plateforme et la campagne. C'est 3 mois au total. Si vous n'avez pas encore fait le test sur trouver le bon financement.fr, là, c'est un petit outil qu'on a conçu. Qui vous permet, qui regroupe pas mal de ressources, notamment le lien vers ce webinaire et les autres que j'évoquais, mais voilà, la liste aussi de tous les types de financement qui existent et les plateformes qui existent selon chaque type de financement, qui vous permet du coup bah, d'identifier un peu ce qui sera le plus pertinent pour vous, de vous rediriger sur ce qui paraît le plus adapté et sur lequel vous trouverez aussi d'autres ressources de façon plus globale sur le financement. Notamment un livre blanc sur le financement de l'amorçage qui permet bah, de voir le crowdfunding notamment, mais aussi bah, tous les autres types de financement qu'on vous conseille de solliciter, de manière à bien profiter et bénéficier justement de ces différents effets de levier. Et ce n'est pas pour vous si vous n'avez pas encore identifié bah, qui vous souhaitez mobiliser et avec quelle contrepartie. Parce que ça, c'est vraiment la clé pour avoir une stratégie de mobilisation, une campagne de communication qui tienne la route. Et pour conclure, alors le financement, le participatif, le crowdfunding, c'est pas magique, ça demande un peu de temps, ça demande un peu d'énergie. C'est pas le financement le moins cher non plus. Mais par contre, c'est hyper intéressant si on garde en tête qu'au-delà d'un financement, ça va aussi être un moyen efficace pour atteindre d'autres objectifs, notamment bah, le fameux effet de levier, parce que c'est après une campagne, avec tous les types de financement, hein, c'est après une campagne que les financeurs classiques seront bah, plus à votre écoute. D'ailleurs, l'effet de levier peut même jouer dans les deux sens. N'hésitez pas, en fait, avant de vous lancer, à obtenir un préaccord, par exemple bancaire, parce que ça vous permettrait, dans ce cas-là, de rassurer vos potentiels contributeurs sur votre levée de fonds participative. Si, ils savent que la banque vous suit après, bah, ça, si vous réussissez votre campagne, bah, ça permet même de voilà, de les rassurer, on va dire, et les inciter à contribuer. C'est du coup un peu le thème d'ailleurs de l'atelier que d'intégrer vraiment le crowdfunding à votre plan de financement. Il faut le voir comme une étape. C'est aussi une communauté, l'engagement de communauté. En fait, on l'a vu pour Twizza, Naoden, La Tribu. Ce sont des personnes qui vous suivent potentiellement dans la durée,
qui peuvent même, pourquoi pas, vous financer à plusieurs reprises. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour une marque, un projet ou une entreprise. C'est aussi de la visibilité parce que bah, c'est une campagne de communication. Donc, en fait, on vous incite à en parler partout, à être le plus visible possible. C'est un bon moyen que d'en parler à la presse, que d'en parler, voilà, sur tous les axes de communication que vous pouvez avoir. Et puis, c'est aussi parfois des contacts inattendus. En fait, aujourd'hui, dans les PME, dans les grands groupes, il y a des personnes qui sont en charge de l'innovation, qui utilisent ces plateformes comme un outil de veille pour identifier les nouveaux projets avec lesquels ils auraient des synergies potentielles. Et du coup, c'est intéressant de gagner en visibilité aussi auprès de ces personnes-là. Nous, on a eu le cas de Ictios, qui fait du cuir marin à partir de peaux de poisson. Eux, par exemple, en levant des fonds sur We Do Good, ils ont été en même temps contactés par une grande marque de luxe française qui était intéressée pour leurs produits. Donc, ça peut aussi ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles portes. Et c'est tout ça qui fait que bah, ça peut changer la donne pour la suite de votre projet. On a fait le tour de cette présentation que vous recevrez également par mail à la suite et le replay sera aussi diffusé. Donc, vous pourrez tout à fait retrouver tous ces éléments. Et du coup, je vais pouvoir arrêter le partage d'écran et puis répondre à vos questions. Alors, du coup, peut-on utiliser We Do Good pour de la précide? En fait, oui, ça correspond un peu à cette phase, notamment pour beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont sur de l'amorçage, en fait. Et c'est un bon moyen pour bah, continuer de favoriser du financement non dilutif, donc de ne pas diluer son capital avant de passer aux premières. Aux différentes étapes de financement en capital, aux différentes levées de fonds. Donc, c'est assez adapté pour effectivement cette étape-là et pourquoi pas bah, plusieurs étapes de vie de l'entreprise. Hein. On accompagne aussi des PME finalement qui ont besoin d'un bridge ou qui ont besoin pour un projet bah, de mobiliser leur communauté en particulier. Donc, c'est assez intéressant effectivement au démarrage pour. Bah, augmenter ses fonds propres tout en évitant de se diluer et puis en ayant une flexibilité dans les remboursements, ce qui permet de rester serein, on va dire, de ne pas avoir de charges fixes qui s'appuient sur notre trésorerie. Tanguy qui dit donc protéger le projet avant avec des brevets ou dépôts de dessins et modèles. En fait, effectivement, ça demande de communiquer et donc de rendre visible bah, une partie des informations de l'entreprise. C'est toujours vous qui gardez la main sur ce qui est communiqué, ce qui est rendu visible. Mais effectivement, pour embarquer des gens, eh bien, il faut pouvoir montrer où vous allez et donc rendre visible vos projets. Néanmoins, c'est aussi une bonne opportunité pour en parler, pour se faire challenger. Il y a certes l'importance de protéger vos idées, mais aussi de les partager pour bah, finalement avoir des retours, les challenger. C'est un bon moyen que de, bah, de d'améliorer finalement son produit ou son entreprise. Merci Philippe, Maïté pour vos commentaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Alors Marc, vous demandez si ça s'appuie sur la communauté de la plateforme ou dans l'entrepreneur. En fait, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce sont les deux, dans la mesure où c'est un peu ce qu'on voyait au début avec ce petit avertissement sur l'appel à la foule.
Il n'y a pas une foule sur ce type de plateforme, une communauté de personnes qui sont prêtes à donner de l'argent ou investir dès le démarrage, on va dire. Il faut aller les séduire justement, les communautés qui se trouvent sur les plateformes, qui ont l'habitude de contribuer sur les différentes plateformes qui existent. Ben, elles passent à l'action, elles découvrent déjà votre projet et elles passent à l'action quand il y a déjà un certain engouement, il y a une dynamique qui est mise en place. Donc, ça passe par le fait de communiquer auprès de vos différents réseaux, de vos communautés, pour bah, lancer une certaine dynamique. Comme on voyait avec l'exemple du restaurant, bah, avoir des premières personnes qui soient présentes pour élargir petit à petit votre communication. Et d'ailleurs, ça dépend aussi du nombre de projets présents sur les plateformes, mais vous verrez, bah, plus ça fonctionne, plus vous êtes visible sur les plateformes et plus vous arrivez à toucher aussi leur communauté. Typiquement, pour une plateforme, c'est beaucoup plus facile de parler de vous quand ça fonctionne déjà. Parce que bah, la communauté des personnes qui sont présentes, des contributeurs ou investisseurs, bah, du coup, va être séduite, va avoir confiance. Et ce sera vrai pour tout relais en fait, potentiel. On va vous conseiller d'aller voir la presse, mais du coup, bah, pour faire parler de vous dans les médias, il faut que ça marche déjà un peu. La presse, elle aime parler du succès, elle aime parler de ce qui fonctionne. Et du coup, ça vous permettra que de démultiplier ce succès. C'est vraiment un peu cet effet boule de neige et du coup, ça passe par, pour que le succès appelle le succès, il faut avoir aussi communiqué auprès de votre communauté. Je vous remets effectivement notre adresse mail dans le chat sur laquelle vous pouvez nous poser vos questions directement, donc à projet avec un S, @wedogood.co à la fin. Merci à vous pour vos commentaires. On a à peu près respecté le timing de l'heure qu'on s'était donné. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Je vous remets également le lien vers trouver le bon financement, le petit outil que je vous évoquais tout à l'heure, sur lequel vous retrouverez des ressources. Et puis, bah, comme évoqué, vous recevrez le support par mail. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation et puis l'interaction avec les différentes questions, c'est plaisant. Souhaite une bonne journée à toutes et tous.